Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ministre Travaux Publics, Transport et Communication, Nader Joazeyu, s'est réalisé week-end passé à une visite dans le département nord-ouest PIA et spécialement dans la localité Monchin, côté gouvernement à travail pour bétonner 6 km route. Richard Saint-Jourdan et Hervé Pierre à ben au détail. Ministre PTC a réalisé visite ça dans l'objectif pour garder comment travail bétonnage là après possible dans Monchin, qui trouve entre commune BDN et Bombado Police dans le département nord-ouest. Ingénieur Nader Joaseïs qui exprime satisfaction li, fait qu'on ait gain progrès qui enregistré dans le cadre projet ça. N'a pas béton partout, malgré tout problème y a banon. Donc c'est ça, pour nous dire, mounio, le chide a perdu des autres Port-au-Prince, pays à pas Port-au-Prince seulement. C'est capital pays, mais ce n'est pas la République d'Haïti. Je dis à moun manche, ou pas qu'à dire au président pas fait. Depuis date de Haïti créé 1804 ans, première fois vous venez là. Ou en seul coup, moins de 6 mois, 3 km de fait. Vous voulez dire pas rien? Et dans 3 km de ça fait là, il y a presque créé 30 à 40 jobs directs. Sans créer des jobs indirects. Tout le monde sait gravier ça là. Tout ces monde qui cache gravier pour vendre. Sans contrôler les gens qui travaillent dans le béton. Les gens qui ont pelle puis quoi. Et bien les gens ne sont pas temps pour aller prendre des armes. Il n'y a pas de temps, ils n'ont pas intéressé parce qu'ils ont un côté à faire 50 cobles. Mais jeunes, ça, là, si on va créer un travail pour eux, eh bien, c'est les âmes qui prennent en main. 3 km dans la route, là, déjà bétonné, d'après responsable chantier, ingénieur Patrick Joseph, déclaré technicien mobilisé pour finir le projet ça, dans la localité Monchin. Plus ou moins satisfait malgré toutes les difficultés. Nous sommes très avancés, nous avons remarqué. Nous commençons le 17 décembre. Okay? Nous avons réalisé presque 3 km route en béton hydraulique et on a continué avec le terrassement. Okay? Malgré toutes les difficultés, c'est une zone qui est très difficile pour avancer. De toute façon, je remercie le ministre pour la collaboration. Et sans ligne, on va arriver là. Par exemple, depuis une année, nous avons besoin de tel bagage toujours prêt pour vous et pour nous. Et ça va permettre de nous avancer. Nous allons prêter là seulement. Bientôt, on a Moulin Saint-Nicolas, on a coulé béton. Nous avons l'arrivée à Côte de Fertou pour aller vers Bordeaux-Mer Jean-Abel. Nous avons l'arrivée à Côte de Fertou pour aller vers Marouge. Okay? Nous avons des terrassements qui sont déjà prêts pour aller couler béton. Plusieurs membres de la population ont souhaité travailler fini bien vite. Ça a permis de chauffer moto et machine circuler sans problème. Nous disons, Président, un gros coquin de chaîne, merci. Parce que nous avons en pile problème pour mon chaîne. Nous n'avons pas de route la caille nous-mêmes. Merci, je ne vous dis pas. Président fait nous cadeau. Il y a une route, nous ne connaissons pas qui ça nous est capable de dire, président encore. Et par rapport à que nous avons descendu un camion charbon, c'est là que nous avons pour l'école de la ville, c'est sous deux camions charbon. Nous avons risqué la vie nous, en pile. Les gens qui campé à terre et puis pour garder les gens, étant quelqu'un grand monde, qui descendent massacré le monde chien sous deux camions charbon. Mon cher, ça fait la peine en pile. Mais aujourd'hui, pendant cet an 2021-2020, pour entrer 2021, le président fait nous cadeau une grosse richesse sous bonne adresse. Nous disons merci. Président Jovenel, nous avons dit un gros merci pour vous, nous avons dit un gros bonjour pour vous. Tout. Bon, à la vérité, vous faites nous un pile plaisir. Vous faites 3 routes dans le monde chien, vous venez visiter nous et vous avez une route tout. Parce que nous-mêmes nous pas pensé à des bagages comme ça. Nous faisons trafic moto, d'un côté je suis arrivé. Moto à casser, me tombé. Mais couler là, moi, bel travail comment c'est fait. Malheureusement, nous avons 4 km route. Couler à Mbakadi si nous avons 3 ou bien si nous avons 3 et demi. Mais c'est aucun moyen route. Ça va faire là. Nous voulons un groupe chapeau pour le président Jovenel. Parce que tout le temps nous là, depuis 1987, dans une commune, de Fonville Hippolyte. Nous communes, nous passons nous à le béton même. Affaire là, c'est pas le bâtiment même. C'est grâce à Jovenel qui fait nous ça. C'est que nous remercions le gouvernement pile. Nous ne pouvons pas remercier qui nous remercie. Travail bétonnage mon chien a réalisé sous 6 km haute dans le département nord-ouest pays. Technicien TPTC pour mettre pour finir avec chantier dans un temps qui n'est pas trop loin.
Et puis, le ministre Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joiseus, s'est fait une visite inspection week-end passé sur tronçon route Kafoujoff-Podpea. C'est dans l'idée pour évaluer l'avancement du travail, visite sa fête. Ingénieur Nader Joiseus dit lui constater qu'il y a gros avancé. En suivant un extrait. Nous attaquons les ouvrages et surtout drainage. Parce que drainage, non, j'y suis dans l'autre là, dans la mesure où on connaît que protection route là, elle dépend de drainage. Et surtout dans la zone année là, nous avons un gros versant qui bat un pile de l'eau. Donc c'est ça qui fait qu'on a fait des descentes d'eau et on a fait des canals longitudinales, non seulement pour non seulement faire route là, mais il faut durer le tout, c'est extrêmement important. Et c'est drainage là qui peut jouer un rôle vraiment pour assurer la pérennité route là. C'est même travail qu'on a fait dans la zone Oberto, non seulement que nous avons deux dalles. Donc, il y a deux points qui ont un pile bleu, qui ont un pile problème, et sol là de mauvaise tenue. Nous avons fait d'allô, et il est très accidenté, mais nous arrivons à jouer une solution. Actuellement, nous avons fouillé deux d'allô, nous avons préparé pour nous faire béton propreté. Et si vous regardez, nous avons l'autre d'allô additionnel que nous annexé à l'autre d'allô pour nous faire une déviation, parce que dans le cas où ça a été travaillé, c'est la grande cimetière, c'est la grande agglomération qui habite par le bas. C'est la manuelle l'anglo, comme on a changé ça. Et en même temps, tout pour la risquer pour déstabiliser, nous continuons à beaucoup parler de l'argent. Chaque fois qu'on est venu, le travail a avancé beaucoup plus. Et la route là encore des chaussées, il a avancé là-dedans. Qu'on y a, et, il a fait canal longitudinal, protection des eaux et d'allô. Il a gagné près à 25 d'allô, à peine 6 qui n'ont pas couvert. Et dans 6 là, il y a 2 déjà annoncés. Donc son travail, il prend tout élément et quand il faut pas de paix, moi-même estimé à 85%. Le reste 15% la boumé la veine et chaque jour est progrès à paix. Donc avant 7 février, nous encore Kembe Mono et route Kafoujoff pour des pays et n'a plus livré la circulation dans Baïmonio. Pendant le président promet lui, donc avant l'aller, la baille. Donc il y a certainement dans la zone partie de la Tibonite, il y a 3 points à la limite 2. Et n'a boumé avec lui, n'a mis gaz sur son nom pour nous faire lui. Une fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement information. Je nous ai annoncé l'identité, président de la République, là, Jovenel Moïse, inauguré samedi 1er mai, barrage sur rivière Marion. Construction barrage ça qui était commencé dans l'année 2018, coûté l'État haïtien 10 millions de dollars et puis joué un support technique pays Cuba. Sabine Jean-Étienne avec Lydia Dieudonné, compte rendu. Ça prend 3 ans pour président Jovenel Moïse concrétiser rêve ça. Bay Haïti, yon deuxième gros barrage hydroélectrique après Pélig. Rivière Marion a traversé plusieurs autres communes dans le département nord-est. Les mauvais temps, glossa kon brote à les jardins, bétail et même la vie moun. Grâce à ce barrage ça, glo a pral rouze jardin, servi pour moun boue et puis bay courant dans zone qui tout près yo. Bénéficie yo, pas de cache contentement yo. Félicitations et merci président pour commune, pour barrage là, route là avec système hydraulique là. Pour la population de l'océan qui a bataille depuis 78 l'année pour développement et indépendance. C'est pour nous un grand jour et une date mémorable dans l'histoire du peuple nord-est, spécialement. Derrière réalisation, ça a diverses autres institutions parmi eux, ministère agriculture, ministère environnement TPTC, cap travail pour permettre population nord-est là jouit tout avantage qui gagne grâce à construction barrage ça. Excellence, pour nous informer nos cadres de tout on y a. Pour ne pas qu'à faire non, de 7 spectateurs passifs. Nous avons besoin d'acteurs dans notre monde. Sans m'éclater, délégué organisation paysanne, dans diverses communes dans le département nord-est, à nord, nous, dans le ministère de l'Agriculture, nous saluons nous de façon spéciale. Le ministère a continué de compter sur la collaboration nous, pour bien utiliser les particuliers pour bailler bon genre de résultats. Comme ça, ma pandémie continue de protéger avec l'équipe ministère de l'Agriculture, à côté de nous,
ministère de la Culture, donc au départ, a continué à appuyer nous par un bon genre d'accompagnement technique et financier de façon à nous appuyer plus possible pour les investissements de culture. Malgré satisfaction, le président Jovenel Moïse dit qu'il était voulu construit en tout 12 barrages dans le pays. Chef l'État a accordé une attention spéciale à l'aspect création d'emploi barrage Marion. Les nous connecter barrage ça à l'autre réservoir, nous allons construire sur rivière Terre Rouge, sur rivière du Nord, nous allons carouser un total de 20 000 hectares. Ça veut dire, on le fait calcul. 20 000 hectares, on a dit que 6 personnes qui travaillent sur chaque hectare. 20 000 multiplié par 6, ça va 120 000 emplois directs pour le créer dans la zone. Vision PAM. Vision PAM, ce n'est pas pour construire seulement le barrage Marion. Vision PAM, c'est de construire 12 barrages d'irrigation dans 5 ans. Pendant le mandat PAM, je vais construire 3 seulement. Je vais construire le barrage Marion, je vais construire le barrage Latanoui et je vais construire le barrage Massacre. Barrage Marion construit sous 200 hectares. Libralouze dans un premier temps 10 000 hectares. Population diverses communes, département nord-est, ak plus passe yon dizaine localité, pral konnen yon gros élan sous plan socio-économique ak touristique. Pendant yap gen courant électrique, te yon ap rouze, men tou yap fè élevage poisson. Président République la Jovenel Moïse, qui te gen ak li première dame la Martine Moïse et puis premier ministre AIA Claude Joseph, remet vendredi 30 avril la 8 motènes dans 7 Philomène, département nord pays. Équipement sa yo pral permettre centrale électrique 7 Philomène la relancé ak yon capacité 10.8 MW courant. Sabine Jean-Étienne, Lydie Dieudonné, compte rendu. C'est avec fierté président Jovenel Moïse poté le matériel qu'a pral relancer centrale électrique Saint-Philomène nan. Le matériel ça gen 6 groupes électrogènes ak yon sous-station. Centrale ça qui pas fonctionné depuis 13 l'année a passé de 3 à 10.8 MW courant. Je dis à toi Gabriel. C'est tu pas bien ce qui va prendre là pour se prévoir. On se va dire. Mais si elle est tellement fragile, parce que si elle est tellement mal à la peine, par exemple, si elle est là de centrale 10.8 MW, 5 km. Si elle est là de centrale 7.4 MW, c'est Raphaël. Si elle est là de centrale 7.4 MW, au CAI. Si elle est là de centrale 5.4 MW, c'est Mac. Si elle est là de centrale 3.2 MW, ouais. Non, pour aujourd'hui, si elle est là. Il y a une centrale 60 MW turbine dans Kafou, dans Port-au-Prince. Si il reste là, il y a un courant dans Valière, dans Montbécroche, dans Calis, dans Montorganisé, dans Kapoti, dans Corail, dans Chandelon. Si il reste là, il y a un courant dans Mafro, dans Bobo, dans Abricot. Allons, si il reste fragile. Puis loin, chef l'État a demandé population non seulement bien traiter nouveau central ça, cap bail courant dans ville au cap tout, mais surveiller pour mauvais jeu, pas commettre zak malhonnête dans l'espace là. Monsieur le phénomène, vous mettez ses bêtes, l'homme bon engagement là-même, j'ai vous comme dans les rapides, même dans le menti, moi-même depuis mon engagement, je respecte. Mais vous voulez là, vous venez à tout créneau, transformateur là, après c'est le monde. Vous pouvez débattre. Mais ça m'a dit que nous sommes ces phénomènes. Tout monté, t'as vu nous bien. Tout monté au système surveillance. Parce que nous allons ici. Vous battez le costume. Vous vous brûlez. Vous vous croisez. Vous vous brisez. Zéro. Vous battez le maillot. Zéro. Nous sommes phénomènes. Vous êtes bien le maillot. Président Jovenel Moïse déjà lancé courant dans plusieurs autres communes dans le pays, tant que dans Fort Liberté, Valière et Jérémy, pour ne citer ça seulement.
Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural dans tête collée avec ministère affaires sociales et travail organisé ANESA foire nationale agro-artisanale sous boulevard dans ville Cap-Haïtien sorti 29 avril pour arriver samedi 1er mai. Activité ça réalisé dans occasion célébration fête agriculture et travail. C'est trois paquis junior avril à Dinoblis. En gérer de l'eau pour changer la vie, c'est sous thème ça, foire nationale agro-gastronomique et artisanale déroulée à Nessa dans ville au Cap. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural là, agronome Patrick Sévère, qui a lancé activité yo sous boulevard Cap-Haïtien, fait connaître gouvernement a continué à accompagner agriculteurs yo dans objectif pour renforcer production nationale là. Le président de la République, son excellence monsieur Jovenel Moïse n'a jamais raté une occasion de mettre l'accent sur le rôle qu'il entend impulser à l'agriculture. Nous supposons prendre disposition pour nous reproduire, pour nous nourrir tête nous. On en a voyé vendre dans l'autre pays pour nous faire rentrer des vises dans le pays d'Haïti. Peut-être ça. On nous servir à problème ça pour nous changer façon de faire agriculture. On nous fait pour promotion de l'agriculture côté nous pas bien pour nous couper pied bois en deux zones encore. On nous fait promotion de l'agriculture qui aide l'autre secteur tant coup, agro-industrie, à commerce développé pour permettre nous gagner une économie pour nous gagner pour nous grand monde tête nous. Ministre Affaires sociales et travail là, Justin Montpouni déclaré, initiative ça a montré engagement président Jovenel Moïse pour encadrer le secteur agricole là. L'occasion pour nous, pour toute population qui vit dans le nord, nord-est, avec visiteurs qui sont dans le département pays, découvrir talent agriculteur, agriculteuse, artisan, artisane, à cuisinier, à cuisinière. L'organisation d'une foire de ce genre favorise la valorisation de la production nationale. Plusieurs centaines de monde ont fait déplacement pour participer à la foire nationale agro-gastronomique et artisanale là, dans la deuxième ville pays. Quelques parmi eux exprimaient satisfaction. Normalement, nous avons encouragé les gens à consommer des produits locaux, des produits artisanaux, ça permet nous-mêmes qui artisans vivre de ça. Nous faisons sur la production nationale là, comme nous avons fait. Chaque débat nous fait un pour nous penser, peut-être dans 10 ans, nous venons à dire par rapport à la question du riz dans le pays, nous autosuffisants. Donc c'est là que nous voulons aller et c'est ça, je pense, c'est un objectif gouvernemental, c'est garder cette carrière autosuffisante dans la question de production du riz. Foire nationale agro-gastronomique et artisanale l'a réalisé sans incident dans ville au Cap. Organisateurs ont déjà cassé rendez-vous pour l'année prochaine pour continuer à valoriser la production locale là. L'autre nouvelle, Fonds Assistance Économique et Sociale FAES, dans la tête collée avec la délégation départementale Nord-Est, distribué plat chaud jeudi 29 avril, par citoyens de la commune Troudino, férié localité Baya, commune Wanamet. Une démarche qui inscrit dans le cadre accompagnement responsable FAES à Baye avec les gens qui sont plus faibles. Lounel Jean-Louis, Max Joseph, pour détail. Commune férié Troudino, localité Baya dans la commune Wanamet, ces zones qui bénéficient de cantine mobile FAES là. Environ 9000 citoyens recevront plat chaud jeudi 29 avril là. Citoyens yo saluent l'initiative là. On a remercié le président République là, son excellent Jovenel Moïse pour telle initiative et par la suite, on a remercié FAES qui débarque là avec toute équipe technique li, qui vient porter support ça dans la communauté Wanamet. C'est un honneur et c'est un plaisir tout. Président dans vision li, il toujours voulait accompagner ou bien porter support par lui dans le niveau qui est possible à la population. Comme le président dit encore, le nom le président toujours a lancé sur tous les réseaux, chaque fois il y a une chance pour le parler. C'est une question de restance pour le peuple. Donc l'initiative ça montre que nous avons idée que pour tirer cette vie, nous avons des gens qui ont besoin de tout bon vrai. Les initiatives sont très bonnes initiatives parce que manger arrive à l'heure, la population jeune. Et ceci, nous avons souffert, nous avons attendu ça depuis longtemps. Ce sont des belles gestes qui sont là lorsque le président change le comité de tirer ça pour le peuple. Le peuple a bien déroulé, si nous avons gagné depuis hier, par contre, ça a le ludicelle. Ce sont des plaisirs pour le peuple à tirer, c'est vraiment ça, dans le président Jovenel Moïse. Je dis au gouvernement, vous mangez pour battre le peuple. Manger réellement, vous son bail qui bien presse. Tout le monde mange le monde qui parle, mangez, vous parlez. Vous mangez, je dis à Guillaume, pour tout le monde manger. Nous, nous, même commission communale, on a maintenant Chrétien Pierre-Antoine, sur le programme cantine mobile la plus présente dans la commune.
Bon côté par le président commission communale Ferrière Placide François félicité et puis saluer j'ai fois administration en place là dans les domaines qui puis fait bio et puis permettre population de cela évoluer dans plus bonnes conditions. C'est une belle initiative et d'abord nous remercier président de la République là, nous remercier délégué départemental là et équipe fait cela qui capable bon service à travers cantine populaire chaque côté dans le pays. Donc ça c'est un plan de cadique qui est important et qui est bien pour nous pour un moment. Mais si nous arrivons à un petit sac, même gens qu'on fait la première fois, le président a venu nous guérir le système solaire en bas, il était distribué manger comme ça. C'est le mode bagage que nous besoin. Et puis tout, aidez-nous tout, parce que c'est Maribao et Maribao. Parce que nous produisons en plus durée dans le pays. C'est aidez-nous pour le système d'irrigation capable de descendre, et canal massacre capable de descendre trop plein, pour qu'ils viennent avec le système pompage que nous gagnons, pour que nous fassions manger. Nous avons une équipe qui est durable dans la commune. Et je dis à m'a regardé côté président, penser à population Wana maintenant, spécialement en bagaille à côté n'a pas les la grande classe défavorisée, côté que chaque monde jeune un plat chaud. Même si nous t'a saute l'école, yo tout pour un plat chaud, on paquet monde faut regarder comment ambiance là est dans zone là. Comme ça nous n'a demandé nous même dans département nord-est comme gen aman nous sayon nan même comité a pour président voyager sous nous même collectivité a président nous remon nous avec vous ou même tout comme vous te dit reste là c'est pour nous lier nous voit comment on fait tout monde nan pense à nous même pour nous ka fini toute route yo nous gagner qui en chantier de responsable communion mandé pouvoir central pour prendre disposition pour poursuivre divers chantiers qui décampés dans région habitants dans commune Terrier Rouge Grand Bassin à Caracol dans le département nord-est, recevoir plachoua plusieurs centaines qui t'alimentaient dans quatre programmes cantine mobile gouvernement. Kazek, deuxième section communale Roukouan, Rémi Louis, souhaitait autorité ou continuer à accompagner les citoyens pour aider ou faire face à ce problème grand gouan. Son bel programme, bien qu'il y ait une petite divergence, qu'on ait vu côté de monde, car il y a ça parce que malgré nous te mettons un principe sous pied quand on te gagne en distribuer six quatre. Côté pour tout caillot et rive tous. Chez moi, on a toujours bien ça, il y a des devis qui viennent. C'est pour gâter, c'est pour taper un plaisir. Et puis c'est celle-là qui vient, mais son bel bagaille. Là, ils nous apprécient. Et mon gros, mon remerciement au président. Que mon remerciement ça arrive jeune ni moi, il n'a pas oublié nous. Nous, même si ça la dernière minute vient, mais il a toujours dit, ils ont bien fait, pas jamais perdu. Nous espérons que notre petit temps qui est là, le président pour chez nous plus toujours. Pour plusieurs membres de la commission communale dans le département, le programme cantine mobile représente un soulagement pour les gens qui ont besoin de nous dans le nord. Nous souhaitons que le gouvernement continue à supporter la population et puis créer des conditions qui ont changé la situation dans la vie. Nous avons un sentiment de cœur content que nous sommes capables de recevoir Fayès pour nous faire une distribution de plats chauds. Et ceci nous fait la section communale, nous avons fait le tour au niveau de centre-ville. Déjà, nous tiens à remercier le gouvernement. Nous tiens à remercier en fait le président par rapport à une telle initiative. Et nous voulons profiter des micros pour nous lancer ce message en bas FAES, pour nous dire non seulement pour aujourd'hui, mais restaurant communautaire qui est campé Caracol pour le défoncer avec la délégation la mairie, qui ça nous a fait pour nous capables finalement de relouvrir, pour que au moins pas seulement pour aujourd'hui pour nous faire distribution, mais de façon continuelle, quotidiennement, pour nous être capables de faire, pour nous capables de faire peuple en service. Ça fait nous très grand plaisir. Parce qu'on a remarqué ça, regardez, on fait l'immense cap pour réclamer manger. Je pense que le président a une plus grosse vision que ça. Parce que ça, c'est un bouquin de bouillie. Donc nous-mêmes, nous avons besoin, comme si nous avons travaillé pour le projet durable. Et c'est ça, analyse le président. Et peut-être que Marion pouvait nous ça. Marion pouvait nous que le président a travaillé tout le monde pour, comme si nous avons réussi à agriculture dans le pays. À chaque fois, Jean de Cassa a présenté, donc ça fait nous sentir que Fayès présent. Parce comme si nous avons côtoyé la population, surtout les plus vulnérables. C'est tout un plaisir. Et je vais tout profiter de remercier le président Jovenel, parce que jusqu'à présent, je me suis dit qu'il fait non seulement mon terrier rouge, mais mon département nord-est, et puis gros investissement qui a gagné dans le pays, c'est nous-mêmes qui nous avons retrouver. Pas seulement manger que nous avons distribué aujourd'hui là, c'est sûr que c'est un atout, mais ce qui est important, c'est manger que le président ben nous a travers Marion. Nous
content pour la distribution plat chaud que le président permet de nous faire aujourd'hui dans la commune. Nous remercions le président pour ça. Mais nous pensons dans 2 ans, 3 ans, donc ce n'est pas plat chaud encore pour nous le retourner, mais à cause de barrage Marion, pour avoir une façon pour nous faire manger et laisser nous pas dans l'insécurité alimentaire, j'en ai vivre là qu'on y a. Plaisir bénéficier programme Cantine Mobile, exprimer contentement et puis souhaiter l'initiative ça, continuer. Dis président Jovenel, merci. Parce qu'il était dans la campagne, il t'a fait. Il dit là bas tout le monde mange dans le bol. Eh bien, il fait réalité vraiment. Il mettait manger dans le bas. Tout le monde était rouge. Dans le bol, tout le monde était rouge. Je dis président Jovenel, merci. C'est une très bonne initiative que nous faisons aujourd'hui pour la population. Parce que la population était très très misérable, très très grand goût. Je vous le dis, nous félicitons nous pour ça que nous faisons. Sorti jeudi 29 pour arriver dimanche 2 mai, il y a plus passé 5 000 kits alimentaires qui distribuent dans le département nord-est. Côté plus passé 9 000 personnes bénéficient d'un plat chaud dans le cas d'activité cantine mobile là, qui en dedans. Lundi 3 mai 2021, marqué Journée mondiale Liberté la presse. Thème qui kembe pour Anessa, c'est information tant qu'on bien public. Dans l'occasion, l'Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO renouvelé engagement li en faveur Liberté la presse et information. Dans notre association journaliste haïtien yo publié lundi 3 mai, li dénoncé impunité, li dit secteur la presse la absibi, côté gen plusieurs journalistes ak moun kap travay nan media qui perdit la vie ou nan condition qui pa clair. Et puis limite par chom fait association a plaidé pour tout le monde qui a accès à information dans le pays. Association journaliste haïtien a déclaré malgré tout travail autorité de l'état yo ak l'autre institution fait dans bataille pour respect liberté la presse pour qu'on ait aucun texte légal qui bail libre accès à information dans le pays d'Haïti. En 2021, Haïti était occupé 83e place dans le classement mondial liberté la presse. Pour l'année 2021, occupé 87e place là. AJH, c'est une nécessité pour réforme constitution en bayon place accepter la presse là non pays. Et puis, association journaliste haïtienne, en tête collée à secrétaire d'État communication, a rencontré lundi 3 mai plusieurs journalistes pour parler sous liberté la presse. Responsable dans le bureau secrétaire d'État communication et AJH mettait accent sur divers travaux qu'a fait dans la presse. Dans extrêmement micro, Falan Delphin avec Max Joseph. J'en profite pour vous dire chapeau, consoeurs et confrères de la presse. Vous méritez une couronne de laurier d'or en guise de félicitations. Cependant, dans ce contexte de célébration de la liberté de la presse, l'attention doit être attirée, ou tout au moins le voile doit être levé sur certaines dérives décelées dans l'écosystème haïtien d'information qui entachent le crédit et le professionnalisme inhérent à l'exercice d'un métier de presse. Estimables consoeurs et confrères, la notion de liberté de la presse appelle comme corollaire immédiat celle de responsabilité. Responsabilité de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations conformément aux prescriptions de l'article 28.2 de la Constitution. Responsabilité de respecter l'éthique professionnelle. Responsabilité de résister à toute tentation d'utiliser l'espace médiatique à des fins exclusivement privées au dépend de l'intérêt général. Car, en définitive, lorsque les clivages partisans s'amenuiseront ou disparaîtront, l'information demeurera comme bien public. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, voilà le parti pris auquel j'invite les travailleuses et travailleurs du secteur, ce, en ma double qualité de secrétaire d'État à la communication et de journaliste senior en incompatibilité. Je voudrais ici terminer mes propos en vous réitérant la volonté indéfectible de l'administration du président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, d'œuvrer à l'établissement et au renforcement d'un cadre propice au développement d'une presse haïtienne libre, indépendante, engagée, pluraliste et responsable. Je ne vous dis pas. Au lieu de nous faire célébration, dans un moment de réflexion, ça, on a pensé à photojournaliste Vladimir Le Gagneur. Nous connaissons dans quelles conditions le journaliste va avec nous là aujourd'hui. Ou bien nous ne connaissons pas du tout.
n'ont pas d'explication. Assassinat, copropriétaire, radio, sans fin, RSF, hospice Pétion. Donc, AGIA soulignait tout l'assassinat du correspondant de radio Mega à Hinch, Néhémy Joseph. Tout bagay sa yo fait moun ki journaliste, moun ki nan presse la, gen en pile tristesse. L'on a vive situation d'impunité et manque de respect pour travail journaliste yo. Quant à thème jodi a qui gen rapport avec information comme bien public, on nous dit, il n'y a pas lieu de démontrer aujourd'hui que l'information est un bien public. Haïtien, moi je suis né sous la dictature. Comme ça, ça veut dire, pas qu'à parler, pas qu'à prendre la parole pour défendre droit société. Haïtiens, vous comprenez ça bien. Les formations sont bien publiques plus que jamais, je ne veux dire, en un pays. Nous n'avons pas besoin de prendre pile temps pour démontrer que sont bien public. Nous avons annoncé l'identité, chef l'État encouragé citoyen à voter pour la nouvelle constitution dans le référendum qui est pour fête 27 juin qui a venu là. Président Jovenel Moïse dit qu'il y a un pile faille dans la constitution 1987 là. D'après le premier mandat national, la constitution ça a contribué dans le mauvais fonctionnement pays à journée jeudi. En suivant extrait. C'est dit peuple là, constitution ça quoi le fait pas. Nous voulons bénéficier de l'élection de candidat, même si nous voulons dire non. Moi, c'est le président qui respecte la loi. Nous, c'est le président qui respecte la constitution 1987 là. C'est sous l'île de président, c'est sous l'île qui de pouvoir, et va donner le droit pour un candidat encore. Même pour cette occasion, pour dire à tout le monde que la constitution ça, nous, le président Zulia, pays a un gouvernement avec lui. Ça veut dire ou même peuple là. Si nous voulons changer pays à tout bon bruit, c'est pour nous changer la constitution. Ça. 27 juin 2021, c'est pour nous total voter pour nous dire non à la constitution. Ça. Pour constitution qui sont pas de corruption entre groupe net dans le pays a, qui décide à c'est pour nous dire. C'est pour nous dire non. Même si moi nous dis non, nous t'en dire non parce que c'est pour voir bon pour nous droit pour nous dire non. Ça. Non. À pacte de corruption ça. Non à constitution ça pour un groupe nègre qui comprend que le pays a ses fouillonniers, mais le pays a ses fébaïsiens. Je crois que le club de tout le monde, je dis à un monde qui parle, c'est pour le voter pour dire non. Mais un monde qui parle, c'est pas dans le micro pour dire non, c'est pour le dire non. Non, il y a un côté que le peuple a mette, parce que c'est ça qui démocratie, démocratie, c'est capacité pour gagner. Pour dire oui vous voulez ou bien oui non vous voulez. Et ça, moi-même comme président, je vous dis, opportunité que le moment a offert, fait 50e législature, nous connaissons bien 50e législature qui finit 2e lundi janvier 2020. Je vous dis à une fenêtre d'opportunité parce que opportunité ça, c'est dans mes frères. Seul qui était sénateur, qui était député. Moi-même comme président, je devais de plus passer 100 millions de gouttes dans le budget du Parlement pour te changer la constitution, pour t'amender la constitution, comme la dépenser, ni pas fait. Je dis à moi décision, comme la dépenser pour le faire. Et c'est ça nous. Une fois encore, le président Jovenel Moïse a dénoncé tout le monde qui a mis au trempé dans le kidnapping qui a fait dans le pays. D'après le chef de l'État, il y a une bonne partie dans le kidnapping qui a coulé politique. Pendant l'annoncé, l'administration Lyon a travaillé pour contrecarrer l'action bandit. En suivant extrait. Monsieur, dame, kidnapping, je dis nous ça, n'a pas la douleur sur nous parce que il y a des groupes, je connais les acteurs à nous, parce que je vais passer une bonne technologie à mettre. Et bon, plus de kidnapping, tout le monde donne des kidnappings politiques. Tout le monde donne ça. Cette histoire, pour nous mettre dans le pays caché dans le but là, c'est de ne pas parler de ma qui te fait peuple de notre manger. Je dis à ma décision depuis 15 octobre. 2019, même si vous avez des gens qui ne sont pas là, vous avez des gens qui ne sont pas là.
kidnapping yo. Yo, vous avez fait un bouchon avec les politiques. Si elle est là, si on va dire ça, c'est une hypocrisie de la dinosa. Aujourd'hui, c'est pour parler, C'est pour dire, on kidnappe un tel, peuple à lever, pour peuple à lever. On kidnappe un tel, pour peuple à lever, monsieur. Peuple ici, on va égarer. Je vais regarder encore. J'ai un créé pour bien, monsieur. Et vous avez un leader, même quand vous êtes devant vous, président de voter, moun qui l'a goumé pour vous. Moun qui compte, qui tous ces pays qui vous goumé avec nous, monsieur, maintenant. Je vais regarder encore. Si nous besoin de pouvoir, organisez-nous, monsieur, mettez calme dans le pays là. Suspendre la kidnapping dans moi. Parce que vous n'avez pas oublié. Nous songeons en 2013 qui s'est passé. Nous devons dire maintenant pour les gens qui ont kidnappé le monde. Je dis à nous question de vous. Suspendre. C'est votre bouche. Là, ça, m'attendez que persécution politique, m'attendez que plein. Mais maintenant, nous connaissons ce qui est le dernier marée. Voilà. Et merci avec tout le monde qui est branché. Écoutez, qu'attendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.